Qu'est-ce que c'est que ça? Jenny est folle de moi. La preuve, ce matin, elle a dit que ça la rendrait malade si elle sortait pas avec moi. Alors, pourquoi est-ce qu'elle tourne la tête à chaque fois qu'elle te voit? Ah, c'est sûrement parce qu'elle fait sa maligne. Elle veut juste que je lui cours après. Alors, je lui ai dit que l'idée de sortir avec lui me rendait malade, mais il n'a toujours pas compris. Ouais, il est lourd, grave. Hein? Ah! Ah! Dites-moi que je rêve. Tu viens de m'embrasser là devant tout le monde. Tu viens de me donner une super preuve d'amour. T'es fou, qu'est-ce que tu racontes? Jenny, on a tous vu ce qui s'est passé. Alors arrête ton cinéma et avoue franchement que tu m'aimes et que ça te briserait le cœur de pas sortir avec moi. Non mais c'est pas vrai, j'hallucine, t'es complètement barjot. Oh, ça va, arrête, c'est plus la peine de jouer la comédie. Cette marque de rouge à lèvres là, c'est une preuve. La preuve que tu es folle amoureuse de moi. Oh oh. Bravo, en plein dans le mille, Martin Mystère. T'as raison, jamais j'aurais cru que ça serait aussi facile de faire craquer la plus jolie fille du lycée. Hein? Le centre. Ça vient de l'intérieur de ce casier. Il y a qu'un petit problème, le casier est fermé. C'est pas problème. Merci, Java. Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des cavernes, identifié. Vous êtes localisé, ne bougez pas. Hein? Salut les potes. Salut Billy. Qu'est-ce que t'as sur la joue, Martin? Oh, ce n'est rien, c'est juste la marque du rouge à lèvres de Jenny. Non, trop fort! Marty, c'est excellent, t'es vraiment le meilleur! Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Plus jamais je ne me laverai la figure. Un peu de sérieux, les gars. Mom nous attend, elle nous a convoqués pour un briefing. Il vaut mieux pas la faire attendre. Vous allez enquêter sur la disparition d'un homme dans le désert du Nevada. Selon certains rapports, un objet étrange serait tombé du ciel. Trop cool! Bien fait pour toi, agent, je casse tout. Billy, veuillez indiquer immédiatement le chemin de la sortie à ces agents! Tout de suite, mam! À plus! C'est tellement inattendu, original, exotique. Tu trouves pas, Martin? Martin? Oh. Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Vous devez être les agents du centre. Je m'appelle Sadie. On m'a annoncé votre venue.
Martin Mystère, détective à votre service. Hein? Jenny, rouge à lèvres. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Écoutez, Sadie, il faut que je vous dise. Maintenant que Jenny a avoué ses sentiments pour moi en m'embrassant en public, étant donné que je suis un garçon fidèle, je suis navré de vous dire que je ne suis officiellement plus disponible. Hein? Je regrette. Ne faites pas attention. Si vous nous racontiez plutôt ce qui est arrivé à votre père. Il y a eu un bourdonnement assourdissant et je l'ai entendu hurler. J'ai couru dehors, mais c'était trop tard. Il avait déjà disparu. Vous voulez dire disparu comme disparu à pied dans le désert? Ou bien disparu comme disparu volatilisé dans les airs? Ou alors disparu? Eh bien, je ferais mieux de vous montrer. Aïe, aïe, aïe. Jenny. Ah oui, c'est vrai. Merci, Java. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des traces de pas qui s'arrêtent de façon inexplicable. Bizarre. C'est peut-être un cas de volatilisation par combustion spontanée. On devrait se séparer et chercher d'éventuelles traces de feu. De feu? Non, ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. On va retrouver votre père. Oh, il faut que je retourne travailler. Depuis que mon père est parti, je suis seule à tenir la boutique. Oui, oui, allez-y, ne vous angoissez pas, on va régler ça en un rien de temps. Bon, où est-ce qu'on en était? Ah oui, les empreintes. Moi, j'ai quelques doutes sur ta théorie de volatilisation par combustion spontanée, Martin. Martin! Java, où est-ce qu'il est passé? Pas savoir. C'est comme si... c'était volatilisé! Comme le père de Sadie! Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Mais pas savoir. Je t'ai eu! Hein? Martin! Arrête de faire l'andouille, Martin! Tu m'as fichu la trouille! Je ne fais pas l'andouille, je résous un mystère. En découvrant l'endroit exact où a atterri un étrange objet qui est tombé du ciel. Qu'est-ce que t'en sais? Le truc qui a fait ce trou s'est volatilisé. Pas tout parti. Beau travail de détective, Java. Je l'envoie tout de suite à Billy pour analyse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Gluant. Analyse donnée en cours. Échantillon d'origine inconnue. Énergie résiduelle 2000 becquerels. Fortement radioactif, hein? Il y a peut-être eu ici des essais militaires avec une arme d'un nouveau type qui a rendu le père de Sadie invisible. Je crois que ça peut attendre demain matin. Pour l'instant, on ferait mieux de rentrer, non? C'est quoi cet endroit? Nous sommes en plein milieu du désert, Martin. Qu'est-ce que t'espérais? J'espérais au moins que le centre nous enverrait dans un 4 étoiles, pas dans un nid à scorpions. Tu changeras jamais. Arrête de te plaindre maintenant et va dormir. D'accord, ça va pas être facile. Au cas où t'auras oublié, Java ronfle comme un marteau-piqueur. Hey, Java pas ronfler. Ne sois pas vexé, Java. Tous les hommes des cavernes ronflent. C'est une question d'évolution. Tu vois ce que je veux dire? Et si t'essayais de dormir sur le côté, hein? Java pas dormir. Mais alors, qu'est-ce qui fait ce bruit? Hé, rappelez-vous, Sadie nous a parlé d'un bourdonnement juste avant que son père ne disparaisse. Ça recommence! Venez vite! D'où est-ce que ça peut bien venir? J'en sais rien, il fait trop noir. Yana! Ah!
aucune trace de Diana ou de mon père. On devrait faire demi-tour. Pas question de rentrer avant d'avoir retrouvé Diana. Mais surtout, ne lui répétez jamais que j'ai dit ça. Oh ! Ne bougez pas ! C'est peut-être la créature. Les extraterrestres sont super doués pour immobiliser les véhicules avec des champs magnétiques. Je crois plutôt que c'est la batterie qui est morte. Exact. Bon, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. On va continuer à pied. Venez. Salut les potes. Désolée de vous avoir fait peur, mais j'ai les résultats de l'analyse de votre échantillon. Un fragment de roche spatiale qui vient de la galaxie d'Andromède. Une roche spatiale. Ça explique les phénomènes qui sont apparus dans le ciel l'autre nuit. Mais quel rapport avec la chose qui a enlevé Diana et le père de Sadie? Martin, je peux te parler une minute? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une information top secrète que les autres ne doivent pas savoir? Non. Seulement, cette fille est super mignonne et tout. Mais rappelle-toi que Jenny est folle de toi et qu'elle attend ton retour. Ne va pas tout gâcher. Oh non, t'en fais pas, j'ai la situation bien en main. Je préfère ça. Salut les potes! Bon, où est-ce qu'on en était? Oh oui, c'est vrai, on continue à pied. Hey, regardez ça! Encore gluant. Oh, c'est répugnant. Allez, la chose qui a enlevé Diana et votre père ne doit plus être loin. Ça n'a pas l'air de vouloir qu'on entre. Il faut trouver le moyen de traverser cette membrane dégoûtante pour... Eh ben, bien joué. Oh, c'est étrange, cette voie ferrée. Ça doit être un ancien tunnel de mine abandonné. Ou un repère de chauve-souris vampire mutante. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des insectes fossilisés, comme dans mon deuxième film préféré, L'attaque des sauterelles préhistoriques. Oh, seulement ça pouvait n'être qu'un film. Là, encore. Incroyable, ce tunnel est une vraie mine d'or de fossiles. Oh, ça me fait la chair de poule. Allons-y. Tu as raison. Il faut retrouver Diana et ton père. Je passe devant. Java espère Diana va bien. Non. Oh non! Encore ce bourdonnement! Oh, des insectes géants 100 fois plus grands que tous ceux que j'ai jamais vus! Partir! Regardez, je crois qu'on les a semés. Hey, vous êtes où? Où est-ce qu'ils sont passés? Bestiole partie. Oui, mais ça dit aussi. Qu'est-ce que tu fais là-dedans, Java? Pas aimé, bestiole. Regarde, le badge de Sadie. Elle a dû passer par là. Super, une météorite. Ce sont sûrement les insectes qui l'ont apporté. Mais pourquoi? Des fossiles. Je crois que c'est le moment de consulter le Légendex. On va savoir ce qu'il en dit. Chronoscan activé. Mode Légendex. Ah, les voilà. D'après la légende,
Ce sont des fossiles de créatures insectiformes venues de l'espace qui ont débarqué sur Terre il y a 200 000 ans. Une espèce disparue qui se reproduisait grâce à une reine meurtrière crachant de l'acide formique. Regarde ce croquis. Exactement les mêmes que ceux qu'on a vus dans le tunnel, mais beaucoup plus petits. Comment est-ce possible puisque l'espèce a disparu? Tu as entendu? Java entendu, Java pas aimé. J'ai pas effacé le baiser au moins. Mais où suis-je? Qui êtes-vous? Martin Mystère, détective, à votre service. Merci, je suis vraiment content de vous voir. Je me rappelle un horrible bourdonnement, et puis plus rien, le trou noir. Je ne vois qu'une seule raison pour que ces insectes enferment des gens dans leur cocon. C'est pour se nourrir. Vite, il faut retrouver Diana et Sadie. Celui-là est vide. Oh. Sadie. Papa. Le bourdonnement. Les insectes reviennent. Java, barre le passage. Ça devrait les retenir. Regardez la roche. Ce fluide radioactif est en train de redonner vie aux anciens fossiles. Mais comment on va faire pour sortir d'ici? Oh, Diana, tu n'as rien? Martin, mais où suis-je, Martin? Ne bougez plus! Restez tous derrière moi! Il y a quelque chose qui ne m'inspire pas confiance! J'ai l'impression qu'on a trouvé la reine. Liquide! C'est sûrement une source souterraine. Il y en a un peu partout dans la région. Mais voilà! Si on arrive à la faire jaillir, l'eau pourra peut-être retenir les insectes le temps qu'on s'échappe! Naha! Ça va, frappe ici! Non! Voilà notre billet de sortie! On a réussi. Tu parles d'une réussite. On est tous trempés. On a failli se noyer. Elle doit avoir des problèmes de digestion et de super aigreurs d'estomac. La reine tire sa puissance de la météorite. Si j'arrive à la détruire, elle perdra tous ses pouvoirs. Oh, c'est ça! L'acide! Yeah!
Alors, qui est le meilleur détective du monde paranormal? Excellent travail, Martin. Je n'aurais pas fait mieux. Bien sûr que si. Après tout, vous êtes la patronne. C'est vous la meilleure. Oui, oui, je sais. Ayez l'obligeance de recueillir quelques spécimens pour les rapporter au centre. Hé, tu m'en gardes un peu pour ma collection? Compte sur moi. Merci encore. Sans votre aide, je n'ose même pas imaginer ce qui serait arrivé à mon père. Oh, pas de problème. C'est notre travail. Tu sais, Sally, hein? J'ai bien réfléchi et je crois que ce serait injuste pour la gente féminine que je reste fidèle à une seule fille. Non mais, j'hallucine, t'es complètement fou. Rien que l'idée de sortir avec toi me rend malade. Quoi? Mais j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Oh, t'affole pas, Martin, pas plus que d'habitude. Enfin, au moins, il me reste la preuve de l'amour de Jenny. Tu peux toujours rêver, Roméo.